on y va, on y va. Ah non, attendez. Quoi? Avant de partir. C'est où les chiottes? Mais non, elle est sérieuse, celle-là. Non, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? On t'attend, là? Je t'envoie par MMS l'adresse, Saint-Joseph. Ok, super, va chier et on se rejoint là-bas. Ça marche. Alors, tout sac à merde. Je t'ai vu foutre le feu à la bagnole d'Olivier. Je suis là, hein. Alors, tout sac à merde. Je t'ai vu foutre le feu à la bagnole d'Olivier. Drôle, j'avais pas la place. C'est un peu lèche, ça. Non, ça va suffire à les faire flipper, ça, c'est sûr. Oh, mec, il manque un truc. Attends, là. Vas-y doucement. Eh oui. Hop. Tac. Non. Ça va pas, quoi? T'es conne, quoi? Qu'est-ce qu'on fait, là? Bah, enfin. Passe sur la tombe de ma mère. Bah... Putain, que con. Qu'est-ce que tu fais? Attends. Mais t'es en train de dire qu'est-ce que j'ai fait? Putain, laisse-moi faire, putain. En fait, ça me fait trop de la peine, cette histoire avec Joe. J'arrive pas à faire comme si... toujours dit qu'avec Joe c'était que des faux plans. Hein. Ouais, je sais. Après, mon amour, hein, tu fais fuir tous les animaux. Hein. C'est trop fort ce que tu fais, comme bruit. Viens, on se casse. On se tire, loin des Azans. Rien que toi et moi. On finit de livrer cette putain de recette à Jaurès. Et on se barre. Manger des tacos. À Miami. Ouais, bon, après, je te cache pas. Oh, putain, mais qu'est-ce que tu fais? C'était quoi? C'était un sanglier? Et t'as vu quoi, là? Bah, rien, les gens, oui, tiens, on commence à se faire chier, non? Mon cœur, tu penses pas ce que tu dis, c'est moi ta famille. C'est nous, ta famille. Attends, c'est quoi ça? T'es enceinte là? T'as très bien compris. Bon, arrête tes devinettes là. T'es enceinte ou t'es pas enceinte? Mais non, je suis pas enceinte. Alors ça y est, j'ai une femme, forcément que je suis enceinte. Mais non, mais pourquoi tu dis ça toi aussi? Mais je dis ça parce que je t'aime. Que je suis en train de partir et que si je te dis que je suis enceinte, tu vas rester. Bon, stop. C'est bon. C'est fini toi et moi, tu vois bien? Ça marche pas. Eldo. J'aurais jamais dû choisir Olivier. En plus, à la fin, il bordait plus, il ripait en permanence là, sur le bord de ma chatte. Modo, ma puce, là. Chacun son petit jardin secret, hein. Ah oui, pardon. Et puis tout ça, c'est du passé, hein. Maintenant, je suis là, ne t'inquiète pas. Je vais prendre soin de toi, hein. Merci. Un jour, je lui ai mis un doigt dans le cul, il a pas aimé. Vous voulez faire du thé? Et c'était même pas le pouce. Oula. Fugitifs, c'est des otages en fait. Je suis pas la bonne personne. Non. Toutes ces conneries, c'est derrière moi maintenant. Oui, ça on sait. Mais justement, c'est. Enfin, nous on s'est dit que tu pourrais nous donner le contact de ton père parce que comme il était. Je peux pas venir avec vous. Je suis trop vieille pour toute cette merde. Oui, mais nous on veut pas que tu viennes avec nous. On veut juste le contact en fait. C'est pas vrai, mais n'insistez pas. Si je monte avec vous sur ce coup, ça va partir en couille, c'est sûr. Je vous le signe tout de suite parce que c'est pas rentré. Oh! Elle t'a dit on veut pas que tu viennes avec nous, on veut juste un contact, tu comprends pas ou quoi? Vous êtes fort. Vous êtes très très fort, putain, bien joué, j'en suis. Alors fais pas le barjou avec ça. Bougez pas, bande de fils de pute, ou je vous grève. Je déconne. Ça va, allez? Ouais. Tu chies pas trop dans ton froc? Quoi? Bah c'est des vrais bandits les gars à qui on a affaire, faut être un bonhomme. Arrête, hein, Zabi, tu vois pas qu'il est pas bien déjà là? Coûte la patte, toi. Bon, j'ai réfléchi. Faut que t'appelles tes potes pour qu'on retrouve Pénélope Quévillon. Comme ça, on saura où sont les Azans. Quel pote? Ben, tes petits copains que t'as rencontrés au placard. J'ai pas de petits copains de placard, je suis chocolatier, moi. Les gens, ils arrivent pas à comprendre, c'est incroyable, ça. Genre, ça marche pas avec moi, ton coup du meilleur ouvrier de France, hein. Non, mais je suis sérieux, moi, j'ai coupé les ponts, moi, avec ce milieu, d'accord? Je me remets pas dans ces histoires. Ok, bon. Ben, j'espère que tu sais que si Joseph revient pas, ton beau-frère, ça va devenir William. Alors après, faudra pas venir chialer comme un gros bébé? Ouais, bah c'est le choix de ma sœur, tu veux que je fasse quoi? Ok, très bien. Enfin, la dernière fois, j'ai entendu William parler de toi. Il a dit... Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais il a dit t'es un bougnoul. Oh. Un vrai bougnoul, il a dit. Ouais, carrément. Ouais. Il avait dit t'étais une merde. Il a fait ouais, t'es une merde. Ouais. Et après, il a dit ouais. Après, il a arrêté de parler de toi. Mais bon, vas-y, hein. Continue à faire tes petits éclairs, tes petites fougasses. Mais je te garantis que c'est pas Philippe Etchebest qui va te sortir de là parce que ton cauchemar, il est pas en cuisine. Ton cauchemar, c'est William. Ah, oh, tu sais quoi? Merci, Clem. La tête de ma mère, je vais passer quelques coups de fil, il va voir ce fils de pute, là. Je vais lui montrer ses petites bougnoules. Voilà, c'est ça qu'on aime. Là, je les vois sortir, tes petites couilles pleines de foutre. Doucement, sur les couilles. Par contre, tu dis rien à ma sœur, hein, parce que la tête de ma mère va me défoncer après.
Quoi, pour tes grosses couilles? Mais non, pas pour les grosses couilles. Pour les coups de fil que je vais passer, là. Ah. Non, tu me dis. Parfait. Donc, tiens. J'ai un truc à faillir pour retrouver les gens. Mais non. Bienvenue au 118 218. Sérieuse, toi? Quelle ville? Paris. Trouville. Non, j'ai pas dit Trouville, j'ai dit Paris. 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 Allô, j'écoute. Oui, madame. C'est pas Trouville, c'est Paris. Ah bah oui, mais là maintenant vous êtes à Trouville, il faut recommencer. Mais il faut que je recommence depuis le début, là? Bah oui, malheureusement. Bon bah, cherchez déjà Trouville, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, répétez. Finanouk, comme ça se prononce, avec un F comme Farid, et comme ça se prononce, quoi, avec un K à la fin, comme Catrick. Bon, je crois que j'ai trouvé quelque chose, mais... Moi aussi. Tiens-toi bien. À Trouville. Il n'y a pas de Finanouk. Vas-y, arrête avec tes Trouville et tout, là, voilà. Bien sûr. Ouais, mais c'est Giroud, si tu me racontes, là. Giroud? Bah ouais. Ah, mais c'est hyper mal fait. Ah bah non, c'est vraiment de la merde. Ah non, on reconnaît pas du tout. Y'a pas le regard. Il a le numéro 9, il fait comme ça et tout. Oula. Ah non, faut tout recommencer, je suis désolée. Et en plus, le gars, il se fait un blackface comme ça en détente. Mais c'est tellement raciste. Raciste. C'est pas raciste, c'est juste que le gars kiffe le chocolat noir, c'est tout, là, que tu me racontes, là. C'est ce que je dis. C'est raciste d'aimer le chocolat noir. Quand on est blanc. T'es de... Clem? Hein? T'as fait quoi, la main de Giroud, là? Ah, oui. J'ai eu un petit creux. Putain, mais... Putain! Je suis régalé. Régalé. Pas pour autant que lui, hein. T'as le chiot, il y va gaiement, hein. Oh, la vache! Oh, à mon avis, il va avoir la crotte au cul, hein. C'est sûr. Les chiens, ils... Non, attendez. Si vous remettez Olivier en prison, moi, je vais tous vous buter, bande de saphiques de merde! Oula! Oula là, calme-toi, ma chérie. Elle plaisante. Elle plaisante. Ah, non, je plaisante pas du tout. Je vais tous vous débrancher comme t'as débranché papy et mamie parce que tu voulais pas payer les pads. Ah, elle plaisante. Je t'en supplie, arrête. Tu dis n'importe quoi. Calme-toi, ma chérie. Elle plaisante, hein. Alors, lo que quiere decir, el bienvenido de... Non, pas bienvenido. Je vous encule, moi. Je vous encule. En el culo. Paf, paf, paf. Alors. Dans ton cul. Si tu serrais, paf, écarté. Ah, bonjour, monsieur Finanouk. Oui, je vous écoute. Vous m'avez mis sur haut-parleur, là? Oui. Non. Enfin, je veux dire, si, c'est parce que je suis en train de raser la chatte. Ah, ne vous coupez pas. Non. Ben Affleck. Ben Flahak. La droite. Oh, vous savez, c'est Toucan. Coucou, c'est la saison des amours, vous allez voir, je vais faire bander le Toucan. Fais ta gueule! Oh, c'est les enceintes, là. Tu vois pas que c'est du faux, là. C'est mis en... Et là, ça saigne trop, là. Attends, je vais lui aspirer sa mère. Attends, bouge pas. Attends, je vais le faire. Bon, Clémentine. Puisque t'es là, maintenant... Cool. Bon, en tout cas, je sais pas ce qu'il t'a dit, mais j'espère qu'il a pas dit que j'étais amoureuse de toi, hein. Quoi? Hein? T'as dit quoi? Je dis, je sens moi, mon monnaie. Bon. Tu veux déjeuner? Moi? Tu sais, moi? Non, toi? Donc moi? Bah, ouais. Ah, alors que tu regardais vraiment au milieu. Excuse-moi. Tu veux déjeuner? Non, mais en fait, ça m'arrange pas trop, c'est pour ça que... Non, mais moi non plus, ça m'arrange pas. D'accord. Bon, bah, tu me proposes alors? Bah, d'accord, mais alors à quelle heure? Non, parce qu'en fait, je t'ai dit que ça m'arrangeait pas trop, donc... Ah, mais tant mieux, ça m'arrange. Je vais m'embrayer. Ok. Je comprends pas non plus. Eh ben, je vous dis à plus tard. Bah, plus tard, ça... Ça... J'accepte pas dans leur famille. Moi, j'accepte direct dans ma famille. Non, mais chérie, je te jure, t'es trop mignonne. Bon, vraiment, je... On se marie? Quoi? Bah, je sais pas, tu veux une famille, on se marie? Non, mais excuse-moi, pardon, mais... Tu vois pas que ça fait que 3 semaines qu'on sort ensemble? Ah, bien sûr. Non, mais on se marie pas, c'est cool aussi. Non, attends, désolé, c'est juste que je suis surpris, voilà, j'ai pas de problème. Oh putain, je suis désolé. Il n'y a pas de problème. J'ai quoi? Zéro problème. Quoi? Vous savez, les garçons, moi, je fonctionne à l'instinct. Mais votre truc, là, votre concept, ça pue.
C'est tes pieds qui puent ou c'est le concept? Les deux. Bon, allez, tant pis pour toi, c'est bon. Clémentine, excuse-moi, tes toilettes, c'est... C'est pour faire pipi ou caca? Pardon, excuse-moi, c'est pas au même endroit, en fait? Non, non, c'est au même endroit, c'est juste que je... J'aime bien savoir. Molotov! Non, mon amour, on dit Mazetov, pas Molotov. Si, si. Molotov!